L'information s'installe chez vous, mesdames, messieurs, merci de nous suivre au quotidien. À la une ce soir, le Moyen-Orient et l'Ukraine au menu d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7. Réunis ce lundi près de Rome, en Italie, pour deux jours de pourparlers, ils vont aborder la question des mandats d'arrêt lancés par la Cour pénale internationale contre Benjamin Netanyahu et d'autres personnalités. Et puis en sport, Colombe Dija et Lobo triomphe de Victoria United. L'Oiseau du Sud a décroché la victoire ce dimanche avec un score de 2-1 contre Opopo au stade Mbappé-Lépé de Douala lors de la finale du Triomphe des Champions 2024. Dans un instant, le développement. Une fois de plus, mesdames, messieurs, soyez les bienvenus au journal sur Carrefour Télévision. Un périple périlleux. Les mineurs migrants face au danger de la traversée vers les États-Unis. Chaque année, des milliers d'enfants non accompagnés affrontent des obstacles immenses pour franchir la frontière américaine, motivés par l'espoir d'une vie meilleure malgré des risques accablants. On en parle ce soir avec Saïdou Al-Abdou. Chaque année, des milliers d'enfants migrants non accompagnés traversent seuls la frontière sud des États-Unis, un voyage extrêmement dangereux. En 2024, plus de 110 000 mineurs ont été interceptés par les autorités américaines, selon Christina Smallwood, porte-parole de la patrouille frontalière qui leur fournit des soins de base après leurs arrestations. On s'assure que les mineurs sont en bonne santé. S'ils ont besoin de soins médicaux, ils les reçoivent. Ensuite, ils sont amenés dans un centre de traitement. La majorité de ces interceptions a lieu dans le sud du Texas, avec des cas moins nombreux signalés en Arizona et en Californie. Bien que le nombre d'arrivées ait légèrement baissé cette année, la situation reste préoccupante. Hector Silva, responsable d'un refuge pour migrants, explique que ses enfants suivent des parcours variés. Certains rejoignent des parents déjà installés aux États-Unis, tandis que d'autres se retrouvent seuls après avoir perdu leur proche en cours de route. Je comprends qu'il y a beaucoup de circonstances et de situations, mais n'abandonnez pas un enfant, n'abandonnez pas votre fils ou votre fille. Poussés par la pauvreté, les violences et le manque de perspectives dans leur pays d'origine, de nombreuses familles prennent le risque d'envoyer leurs enfants sur ce chemin périlleux. Malgré les politiques strictes en matière d'immigration, ces conditions désespérées continuent d'alimenter cette crise humanitaire. Une triste réalité qui se vit dans notre société. Par ailleurs, le Fonds monétaire international souligne les progrès des réformes égyptiennes et les mises à jour sur l'économie mondiale, alors que le pays continue de faire face aux défis économiques et aux tensions régionales. Cynthia Tiwo lance un coup d'œil. The International Monetary Fund reaffirmed its support for Egypt's reform efforts as the country continues to navigate economic challenges exacerbated by regional tensions. Speaking on Thursday in Washington, D.C., IMF Communications Director Julia Kozak emphasized Egypt's commitment to key reforms aimed at preserving macroeconomic stability. The IMF also addressed the economic impact of devastating floods in Spain, offering condolences to those affected. Kozak noted that the damage was severe in localized areas. This has had a limited effect on the country's overall economic key infrastructure, such as transport and industry experience relatively minor disruptions. IMF will provide further analysis in its World Economic Outlook updates in January. The IMF mission recently concluded a visit to Egypt, making significant progress on policy discussions for the fourth review of the country's 46-month loan program, which was approved in 2022 and expanded to $8 billion earlier this year. The program seeks to address Egypt's economic crisis, marked in inflation and foreign currency shortages. Coopération Congo-Italie, le président Denis Sassou Nguesso est arrivé à Rome ce dimanche 24 novembre pour une visite de travail de plusieurs jours. Au cours de ce séjour sont prévues des rencontres diplomatiques d'envergure, notamment avec le pape François au Vatican et Giorgia Meloni, la présidente du Conseil des ministres d'Italie. Michel Zilli, reportage. Ce 24 novembre 2024, le président de la République du Congo a entamé une visite de travail en Italie. Ce voyage du dirigeant congolais accompagné de son épouse et d'une forte délégation revêt plusieurs volets dont politique et spirituel, avec la rencontre prévue ce lundi avec le pape François.
Ce déplacement doit également mettre un accent particulier sur la coopération énergétique, notamment avec le géant pétrolier italien Eni, acteur clé dans l'exploitation des hydrocarbures au Congo. Eni, présent au Congo depuis plus d'une cinquantaine d'années, est aujourd'hui l'un des principaux opérateurs pétroliers du pays. Son rôle stratégique dans l'exploitation des ressources naturelles congolaises a contribué à la consolidation des liens économiques entre Brazzaville et Roma. À travers cette visite, il est prévu que les discussions approfondies soient menées pour étendre cette collaboration, notamment dans le cadre du programme énergétique que l'Italie souhaite proposer. Le chef de l'État congolais échangera également avec la présidente du Conseil des ministres de la République italienne, Giorgia Meloni, avec laquelle il avait évoqué lors de son dernier séjour à Brazzaville le 13 octobre 2023, plus précisément la mise en œuvre d'un nouveau paradigme de relations ayant pour base la coopération gagnant-gagnant entre les deux pays respectifs, d'une part, et entre l'Afrique et l'Europe, d'autre part. Cette visite de 72 heures s'annonce comme une étape clé dans le renforcement des relations bilatérales entre le Congo et l'Italie. Elle illustre non seulement l'importance de la coopération énergétique dans le partenariat entre les deux pays, mais aussi leur volonté commune d'exploiter de nouveaux horizons de collaboration. Le Liban a annoncé la suspension des courses lundi à Beyrouth et dans ses environs, invoquant des raisons de sécurité après une série de frappes israéliennes meurtrières sur la capitale en une semaine. Cette guerre avec Israël a déjà causé la mort de 44 211 personnes depuis le début, selon le ministère de la Santé du Hamas. Un peu de détail. Suite au bombardement meurtrier mené par l'armée israélienne la semaine dernière, la banlieue sud de Beyrouth, fief du mouvement libanais et ses environs, affiche porte fermée pour les écoles ce lundi 25 novembre 2024. Au moins 12 immeubles ont été complètement détruits, particulièrement des centres de commandement et de renseignement du Hezbollah. Face à cette situation désastreuse, le ministère de l'Éducation a ordonné la fermeture des écoles. Les cours en présentiel devraient reprendre ce mardi et il y en a qui sont offerts à distance jusqu'à la fin du mois de décembre pour ceux des étudiants qui souhaitent rester à la maison en sécurité. La situation demeure tendue dans le sud du Liban car les frappes ont visé la localité frontalière d'Eriam où le combat entre le Hezbollah et les soldats israéliens se sont intensifiés ces derniers jours. Dans ce climat de tension croissante et alors que le Hezbollah multiplie des tirs de missiles en direction du territoire israélien, plus de 250 pour la journée de dimanche, les Libanais reçoivent avec prudence, mais non sans espoir, les nouvelles en provenance d'Israël qui annonce un accord imminent pour un cessez-le-feu. Faut savoir que les ministres des Affaires étrangères du G7 se réunissent lundi près de Rome pour 2 jours de pourparlers axés sur le conflit au Moyen-Orient. Encore plus grave est cette crise qui touche le secteur de l'éducation, socle d'un pays émergent. Comme annoncé dans ce reportage, les ministres des Affaires étrangères des pays membres du G7 sont réunis pour 2 jours de pourparlers cruciaux près de Rome. Les échanges sont axés sur les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine. Plus de précisions avec Idriss Yaka. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres du G7 se sont réunis ce lundi 25 novembre près de Rome, en Italie, pour entamer 2 jours de pourparlers axés sur les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine. Cette rencontre qui se déroule à Fiuggi et à Anagni vise à aborder des questions de grande importance géopolitique, notamment les mandats d'arrêt lancés par la Cour pénale internationale contre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, son ministre de la Défense, Yoav Gallant, et le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif. Les travaux ont débuté en présence du secrétaire d'État américain Tony Blinken lors d'une première session consacrée à la situation au Proche-Orient et à Mer Rouge. Cette réunion intervient 5 jours après un nouveau veto des États-Unis au Conseil de sécurité de l'ONU concernant un cessez-le-feu à Gaza. Dans un communiqué, le ministère italien des Affaires étrangères a indiqué que les discussions porteront sur les moyens de soutenir les efforts visant à instaurer un cessez-le-feu à Gaza et au Liban. Les ministres examineront également les initiatives destinées à soutenir la population locale et à promouvoir un horizon politique crédible pour assurer la stabilité de la région. La guerre en Ukraine figure également à l'ordre du jour. L'Italie, qui assure actuellement la présidence tournante du groupe des 7 pays les plus développés, a prévu une séance de dialogue élargie avec les ministres de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, de la Jordanie, des Émirats Arabes Unis et du Qatar, ainsi que le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou Gheit.
Mardi marquera la deuxième journée de discussion avec un accent particulier sur le conflit en Ukraine et la situation géopolitique dans l'espace Indo-Pacifique en présence de ministres de plusieurs pays asiatiques. Les ministres du G7 aborderont également les crises persistantes à Haïti, au Soudan et au Venezuela. Parallèlement à cet événement majeur, une réunion des ministres des Affaires étrangères du poteau méditerranéen se tiendra à Rome pour la 10e édition des dialogues méditerranéens qui accueillera pour la première fois les pays des Balkans occidentaux. Parmi les participants figurent les ministres des Affaires étrangères de Croatie, de Jordanie, d'Égypte, d'Inde, de Libye, du Liban, du Yémen et de Palestine, ainsi que ceux d'Albanie, de Bosnie-Herzégovine, de Macédoine, du Nord et du Monténégro. Vivement que ces crises soient stabilisées, retour en Afrique, afin d'assurer la mise en œuvre efficace des droits de l'homme à l'échelle mondiale, le Conseil des droits de l'homme entend renforcer la coordination entre ses instances à Genève, l'Assemblée générale des Nations unies à New York et les organisations onusiennes engagées dans le développement. Aucun pays dans le monde ne peut déclarer ne pas avoir des problèmes de droits de l'homme. C'est pourquoi la retraite du Conseil des droits de l'homme tenu au Maroc a permis d'évaluer les mécanismes de coopération, d'analyser la faille et de proposer des orientations pour répondre aux attentes de la communauté internationale. Des cris étouffés, des larmes invisibles et des vies brisées continuent de hanter l'âme du Cameroun. En cette journée internationale contre les violences faites aux femmes, le 25 novembre, le constat est glaçant. Malgré les conventions signées et les lois adoptées, la réalité demeure inchangée pour des milliers de femmes. Olivier Blanchard et Coca tirent les leçons d'ici d'un combat qui est vain. Travail à faire face à ces violences-là, surtout dans un pays qui est bourré dans un contexte socioculturel très difficile. Dans l'ombre des cris étouffés, la dignité s'effrite. Sous le poids des injustices, le silence est fragile. Chaque année, le 25 novembre résonne comme un rappel brutal. La violence à l'égard des femmes reste une plaie béante. Le Cameroun, bien que signataire de multiples conventions, peine à éradiquer ce fléau qui gangrène son tissu social. Malgré la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et le protocole de Maputo, les statistiques révèlent un tableau sombre. La réalité des femmes camerounaises n'a pas changé. Sous les lois gravées, la pratique reste absente. La promesse de justice souvent décevante. Les mesures législatives ne sont que des mots vides si elles ne se traduisent pas en actions concrètes. Les violences conjugales, psychologiques ou physiques demeurent banalisées, souvent reléguées à la sphère privée. L'arsenal juridique existe, mais son application reste timide, voire inexistante. Les victimes, souvent réduites au silence par la peur ou par l'indifférence des autorités, voient leur calvaire minimisé, voire ignoré. Ce constat est un échec collectif, un échec de la société à protéger ses citoyennes les plus vulnérables. Les mots des traités sont des promesses de papier, mais les larmes des femmes coulent sans bouclier. Les mutilations sexuelles, les mariages forcés, les viols, autant de cicatrices infligées au corps et à l'esprit. Ces actes barbares persistent dans les communautés où les traditions rétrogrades priment sur le droit humain. En cette journée internationale, nous ne devons pas seulement nous souvenir, nous devons agir. Sensibiliser ne suffit plus. Il faut des actes, des réformes structurelles, une justice inflexible. La violence à l'égard des femmes est un frein au développement social, économique et politique de notre pays. Chaque femme brisée est une société perdante. Chaque silence complice est une honte vivante. Le combat contre les violences faites aux femmes est un combat pour l'avenir même du pays. C'est une question de dignité, de justice et d'humanité. En ignorant ce fléau, nous trahissons les fondements même de notre société. Car, comme le dit un proverbe, quand on laisse le feu couver sous la cendre, il finit par embraser la maison tout entière. Culture dans ce journal, la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, invitée d'honneur du Centre des créateurs de mode du Cameroun, à l'occasion du gala de clôture de la 15e édition du Forum des métiers de la mode et du design, clôturé ce 23 novembre 2024
au Hilton Hotel de Yaoundé a consolidé son soutien et son accompagnement constant aux jeunes créateurs en vue de l'élection de la mode et du design camerounais dans l'espace international. C'était un honneur pour ses participants de présenter leur création devant celle qui a popularisé plusieurs styles vestimentaires et surtout qui a marqué la mode africaine par ses robes exotiques et pleines de couleurs vives. Dans un contexte de tension autour de la réforme de la fiscalité locale, Louis-Paul Motazé, ministre des Finances camerounais, a apporté des éclaircissements devant la Commission des Finances et du Budget de l'Assemblée nationale. Il a rassuré les contribuables et les collectivités territoriales décentralisées sur l'absence de nouvelles taxes et sur les mesures visant à garantir une gestion optimale des ressources collectées. Idriss Yaka. Dans une démarche visant à dissiper les craintes liées à la réforme de la fiscalité locale, Louis-Paul Motazé, le ministre des Finances, s'est exprimé devant la Commission des Finances et du Budget de l'Assemblée nationale. Cette intervention fait suite aux préoccupations exprimées par diverses parties prenantes, associations, syndicats, collectivités territoriales décentralisées et usagers, concernant certaines dispositions du projet de loi portant sur les taxes et redevances. Le ministre a souligné que bien que le projet ait intégré les préoccupations des différents acteurs, certaines zones d'ombre demeurent. Parmi celles-ci, l'éventuelle création d'une nouvelle taxe sur le développement local suscite des inquiétudes quant à une possible augmentation de la charge fiscale pour les citoyens. Louis-Paul Motazé a tenu à clarifier que cette taxe est en réalité une continuité de l'ancienne taxe communale présente dans le corpus fiscal camerounais depuis longtemps. Il a affirmé « Cette loi ne crée aucune taxe nouvelle. La taxe de développement local existe depuis très longtemps dans notre législation et a été jusqu'ici acquittée par les salariés. » Pour illustrer son propos, il a précisé que pour un salarié percevant un revenu mensuel de 100 000 francs CFA, cette taxe s'élève à 1 500 francs CFA par an, soit seulement 125 francs par mois. Concernant la centralisation du recouvrement des taxes locales, le ministre a expliqué que cette mesure vise à renforcer l'efficacité dans la collecte des recettes fiscales. Il a ajouté que cela ne remet en aucun cas en question l'autonomie financière des collectivités territoriales décentralisées. Nous souhaitons maximiser les recettes locales en confiant la collecte à des services dédiés, a-t-il déclaré. Des aménagements sont également prévus pour garantir une gestion transparente des ressources collectées. Les receveurs municipaux et régionaux bénéficieront d'un relevé d'identité bancaires et seront désormais connectés au compte unique du Trésor, assurant ainsi une gestion optimale. Enfin, en réponse aux préoccupations concernant l'extension des centimes additionnels communaux à certains impôts, le gouvernement a choisi d'adopter un taux spécifique réduit à 5% afin de limiter les risques d'inflation. Cette décision vise à équilibrer les impératifs fiscaux avec les préoccupations économiques exprimées par le secteur privé. Avec ces clarifications, le ministre Louis-Paul Motazé espère instaurer un climat de confiance entre l'État et les contribuables tout en garantissant une meilleure gestion des finances publiques au Cameroun. Par ailleurs, aux États-Unis, plus de travailleurs humanitaires ont été tués dans ce pays en 2024 que les autres années, ce qui a provoqué beaucoup de panique et de tensions au Soudan du Sud, en Ukraine, au Congo et chez de nombreux autres pays où il y a des civils. Les détails, c'est avec Cynthia Chimou. United Nations reported that more aid workers, healthcare staffs, and delivery personnel have been killed in 2024 than in any other year. Bloodshed in the Middle East has been the single biggest cause of the 281 deaths among humanitarians. Globally, this year, according to the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, the figure surpassed the previous records of 280 deaths for the whole of last year. The Aid Workers Security Database, a US-funded project run by Humanitarian Outcomes, shows that 268 of the humanitarian killed were national staffs, while 13 were international staffs. The death toll in the Gaza Strip from the 13-month-old has surpassed 44,000. Moreover, the local officers said Gaza Health Ministry does not distinguish between civilians and combatants in its court, but it is said that more than half of the fatalities are women and children. Nevertheless, some 238 workers have been killed in occupied Palestine areas. The threats to aid workers extended beyond Gaza, with high levels of violence, kidnappings, injuries, and harassment. This scenario was reported in Congo, South Sudan, Ukraine, and elsewhere.
Carnet noir dans ce journal, le célèbre écrivain sud-africain et icône anti-apartheid Britain Bad est décédé dimanche à Paris à l'âge de 85 ans. L'homme influent y a marqué l'histoire de son pays. Voici son parcours, signé Arthur Cédric Moudjor. Britain Bad, a multifaceted artist excelling as a poet, writer and painter, left South Africa in the early 1960s, seeking refuge in France to continue his fight against the apartheid regime. His exile became a platform for his powerful artistic expression, consistently challenging the oppressive political climate of his homeland. His prolific career spanned numerous creative endeavors, solidifying his place as a significant voice in world literature. His most renowned work, Confession Véridique d'un Terroriste Albinos, is a stirring testament to his 7-year imprisonment in South Africa after his illegal return in 1975. Two of those years were spent in solitary confinement, a brutal experience that profoundly shaped his writing style and thematic focus. This imprisonment stemmed directly from his activism and support for Nelson Mandela's Ban African National Congress, highlighting his unwavering commitment to anti-apartheid ideals. Following his release in 1982, secured with the crucial intervention of French President François Mitterrand, Britain Bad returned to France, where he ultimately gained citizenship. His literary contributions extend far beyond his impactful narratives. His extensive body of work encompasses numerous poetry collections, primarily written in his native Akkas, further enriching his global literary landscape with his unique perspective and artistic talent. Et le sport, la fabuleuse année de la colombe sportive de Saint-Mélima se poursuit. Après le trophée de la Coupe du Cameroun remporté le 30 septembre 2024, l'Oiseau du Sud a remis ça en remportant la Super Coupe du Cameroun face à Victoria United de Limbi. C'était ce 24 novembre 2024 au stade Mbappé-Lépé. Revenons sur cet exploit avec ce reportage de Eric Wakama. L'affiche du jour opposait la Colombe de Saint-Mélima, vainqueur de la Coupe du Cameroun, à Victoria United de Limbé, vainqueur du championnat. L'Oiseau du Sud est amené par ses pépites Yvan Vondor et Atuyene, tandis qu'Opopo One People One Power est conduit par son capitaine, le lion indomptable Wilfried Nathan Douala. 18e minute, le très réunion Atuyene récupère un ballon dans la moitié du camp adverse et Senja le Touko sur le côté droit qui contrôle et fait un centre qui arrive sur Ngefak qui dévie le ballon. Mais seulement, Yene, bien positionné d'une reprise de volée du pied gauche, frappe puissamment le ballon. Le gardien Eric Pafendjomeni est battu malgré la belle parade. La balle se retrouve au fond des filets. L'Oiseau du Sud mène 1-0. À la mi-temps, le buteur Atuyene est fauché et sort sur civière direction l'hôpital à cause des difficultés respiratoires. À la 60e minute, le capitaine Nathan Douala profite d'une grossière erreur du gardien Nfor Fania et propulse le cuir au fond des filets. Colombe 1, Victoria 1, les pendules sont remises à l'heure. 91e minute, sur un coup franc de Yvan Vondor, repoussé par le gardien Erin Djomeni, le ballon atterrit sur Patrick Anzongo, placé au point de pénalty, et sa frappe traverse Ngoka Yingu, Maxwell et Kylian Twente, qui positionnés sur la ligne, sont incapables de repousser la balle. 2-1 est le score final et Colombe de Saint-Mélima remporte son deuxième trophée de l'année. C'est historique pour ce club créé en 1953 qui a attendu 71 ans avant de récolter ses premiers trophées. Cette rencontre du trophée des champions se joue en prélude au démarrage du championnat national prévu le 7 décembre 2024 avec la rencontre Stade Rena contre Aigle du Mungo. Colombe de Saint-Mélima, le champion des champions 2024, affrontera Coton Sport de Garoua le 8 décembre prochain au stade du Sénagès de Garoua. Très belle victoire pour Colombe du Jai Lobo. Au Vitadian Singapore Squash Open 2024, Amina Orfi, 17 ans, est entrée dans l'histoire en devenant la plus jeune gagnante du niveau or, battant la numéro 3 mondiale Anya El Amami. Cette victoire, son sixième titre PSA, a cimenté la domination continue de l'Égypte en squash, un sport avec une longue et célèbre histoire dans le pays. Arthur Cédric Moudjor.
17-year-old Amina Orfi of Egypt made squash history at the Vitigen Singapore Squash Open 2024, securing the gold medal in a dramatic victory. She triumphed over her compatriot and world number 3, Anya El Amami, in a closely contested 96-minute match, 4-5, becoming the youngest player ever to win a gold-level event. This win surpasses the previous record held by Noah El Shebini, who won at 18 years old. Of his impressive win marks her 6th PSA squad tour title. In a separate final, Egyptian Ali Farag demonstrated his prowess, winning the men's title for the second consecutive year. He staged a remarkable comeback, overcoming a 2-game deficit to defeat Peruvian Diego Elias 3-2 in 70 minutes. The tournament, held at the OCBC Arena in Singapore, lasted 6 days. Egypt's continued dominance in the sport was on full display. The North African nation, where squash enjoys immense popularity, has consistently produced world-class players for decades, and Orfi's stunning victory underscores this enduring legacy. Clôturons ce journal parlant toujours de culture. La deuxième édition de Douala Série s'est achevée ce samedi 23 novembre 2024. Pendant 3 jours, le Festival panafricain de Série a réuni des figures emblématiques du cinéma et célébré la créativité africaine à travers projections, ateliers et distinctions. Un événement qui affirme le dynamisme des séries africaines sur la scène internationale. Saïdou Alabdou. La deuxième édition du Festival panafricain de Série, organisée par Ebenezer Kepombia, s'est tenue à Douala, au Canal Olympia. Pendant 3 jours, cet événement a célébré les productions audiovisuelles africaines réunissant des acteurs, des réalisateurs et des passionnés de cinéma. Les invités d'honneur de cette édition étaient l'actrice ghanéenne Nadia Bouhari, l'actrice ivoirienne Paula Andrea Gouré et l'actrice camerounaise Julia Samantha Edima. Ces figures emblématiques du cinéma africain ont échangé avec le public sur l'évolution de l'industrie des séries et ont partagé leurs expériences. En plus des projections des séries, des ateliers de formation sur le jeu d'acteur ont permis aux jeunes talents de perfectionner leurs compétences. Le festival a également récompensé les meilleures productions de l'année. Daryl Dess a remporté le prix du meilleur acteur, tandis que le film Œil d'Eric Demtar a marqué l'édition en remportant plusieurs prix, dont le meilleur scénario, le meilleur son et le prestigieux Diané Ador. L'événement s'est clôturé samedi, mais il a marqué une étape clé pour les séries africaines en renforçant leur place sur la scène internationale. Ce festival a non seulement offert une vitrine aux talents du continent, mais a aussi mis en avant les séries comme un puissant vecteur de la culture africaine. Merci pour votre fidélité continue, mesdames, messieurs, à ce journal sur Carrefour Télévision. Madame Adjamina Tomoulium était à la supervision générale. Bonne suite de nos programmes qui se poursuivent.